Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paper Mario Color Splash. Alors maintenant que j'ai fini mon magma burger, je vais pouvoir continuer mon aventure dans le... Je sais même plus comment s'appelle cet endroit. Le fort Cobalt. Il s'appelle Cobalt aussi? Eh oui, tout le monde s'appelle Cobalt. On dirait que c'est la suite du niveau, alors je vais passer par là plutôt. Oh regarde, il y a un Toad là-bas. C'était quand même pas pour rien que j'ai fait ce passage. Si? On dirait bien. Est-ce que t'as un gros pif, tu me cherches? Mais non, mais j'étais juste... Ah! Oh, je voulais pas vous tuer, monsieur, je vous assure. Ah, ok. Ah, mais c'est toi, Mario! Je me suis déguisé en Sniffit pour pouvoir espionner les rangs ennemis. Malheureusement, mon masque était tellement serré que j'ai rien vu du tout. Désolé de t'avoir appelé gros pif, hein, je me suis laissé emporter par mon rôle. Bon, au moins j'ai la preuve que quand un ennemi explose, il est pas mort, en fait. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais non, c'est parce qu'il porte un déguisement. Du coup, tu as détruit son déguisement, pas lui. Oh, il y a des toads en dessous. Et là, en dessous de ça? Non, mais il y avait rien en dessous de lui. Mais alors, pourquoi il y avait ce truc? Ça m'inquiète, moi j'aime pas quand il y a des trucs qui servent à rien comme ça. Ça sert forcément à quelque chose, n'est-ce pas? Non, ça sert à rien. Désolé de te décevoir. Et vous êtes des ennemis comme ça pour mais faire oui, joli? Ils sont tes ennemis. Oh là là. Arrête de vouloir attaquer tout ce que tu vois, bon sang. Donc lui, effectivement, lui, il est bizarre, lui. Ah bah non, c'était un bon ennemi. Non! C'était un super ennemi. Non! En plus, plein tu peux de même choses. Pas fuir. Mais oui, mais non! Donne-moi un nouveau paquet de cartes, les retourne pas! Non! J'aime bien parce que je vois les cartes pas peintes, mais je les peins pas. Oh, un Toad! Hé! Hey, il est vraiment rentré? Mais c'est pas possible qu'il soit rentré, je vais pas parler. Et c'est là qu'il s'est caché dans ce truc, c'est ça, c'est ça, c'est ça? Non? Je veux un truc avec ce truc, ok? Mais il y en a deux. Comment je les ai? Ils se multiplient? Ah, donc c'est comme ça qu'on récupère une vingtaine de Toad. Ok. Ah mais oui, c'est vraiment... Nous sommes introduits en équipe dans ces tuyaux et nous sommes restés coincés en équipe. Je suis le dernier, au cas où tu t'inquiéterais. Les Toad de 8 à 17 de l'équipe de secours bleu te remercie. Ok. Lui, par contre, c'est un méchant. Je sais pas si je le sauve. Ah, mais ah, c'est des bobombes. Bah, tu peux pas les affronter, les bobombes. Bah, visiblement non. Oh, c'était bizarre. J'ai pas pris... J'aurais pas dû sauter dessus, en fait. Attends, toi, t'es un Shy Guy noir, donc t'es méchant. Il est de retour. Voilà, on est passé d'un mini-boss à un monstre normal. Attends, le pauvre. Surtout que ça faisait pas si longtemps qu'on l'avait rencontré. Mario, il s'est même pas amélioré entre-temps, non, non. Voilà, tu vas pouvoir aller le sauver, ton Toad. Enfermé. Ah zut, il m'a vu quand même. Mais non, mais je suis sérieuse. Mario, il a pas de vrille dans ce jeu, vous pouvez pas faire ça. Après, ce sont juste des masques, donc techniquement, je peux faire ça. Et donc, voilà. Ce truc ne se tourne pas. Ah non, parce que, ok, oui, je vois, il était pas peint. Oh, il est pas content. Ça bouge pas. Mais oui, mais il faisait son travail au sérieux. Et là, il doit pas se faire repérer. Parce que parfaitement, il me prépare peut-être pas ici, en jeu aussi. Zut. Ah bon, tu voulais pas voir Mario, genre, non, non, Mario, moi je l'aime pas, Mario, hein. M'énerve Mario, il fait genre, il est fort, tout ça, c'est le héros du royaume champignon, moi j'aime pas les héros, genre, ouais, de toute façon, c'est moi le véritable héros, parce que je suis un sauveteur. Ok. Ah, mais il y a un passage. Mais alors, où est ce passage? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Il est contre le mur, en fait. Non, je rigole. On pourrait se dire que ça vient de la salle de sport, effectivement. Mais bon, je vois pas pourquoi ça viendrait de là, en fait. Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Tu peux peut-être casser le mur. Tu parles là. Du mur au milieu? Ouais. Non, enfin... mais pas là, mais je veux dire là où tu sais que tu dis que ça sert à rien. Peut-être que tu peux casser le mur. Mais j'ai frappé, 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 frappé! Pas le mur.
Ah. Ah non, faites plus haut. Tu vois, en fait, ça sert à faire un carré. Tu vois, enfin, il est pas si c'est inutile pas un carré, que ça. C'est un rectangle. Excusez-moi. Voilà, regarde, c'était pas si inutile. Et la marche était colorée pour nous dire qu'il fallait faire le découpage ici. Je vois. J'ai tout compris maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est juste un raccourci pour retourner en arrière? Je suppose. Mais quel raccourci? Je suis déçu. Ah mais non, tu peux pas être déçu, ce raccourci, c'est le meilleur des raccourcis. Parce que c'est vraiment très long de descendre. Oh, un point de sauvegarde. On approche de la fin. Ah, j'aurais dû voir si j'avais toutes les tâches. T'attendais Mario, il consiste d'être spécialement pour toi. Rectifie contre toi. Je crois que tu vas l'adorer. Réveille-toi devant sa splendeur, tombe devant sa puissance. C'est l'unique, le fantastique Titanic, la légende du Titanic, le retour. En plus, c'est Ludwig pour te faire plaisir. Ah, c'est mon pire ennemi, il est là. Enfin, c'est Ludwig. Ah, en plus, c'est moi qui l'affronte. Ludwig. Tu vois, notre destin à Ludwig et moi, il est tout le temps lié. Ah, bah oui. Ah, ma nouvelle arme anti-Mario ou anti-Nirae? Les deux. Super méga croiseur du néant infernal de Ludwig. Mes amis l'appellent tout simplement le super méga croiseur. Qu'est-ce que tu en penses? Impressionnant, non? Ah. Il en manque pas la moitié? C'est arrivé un peu... plutôt que prévu. On a fait que la moitié. T'as pas fini de lancer des fleurs? Il y a une grande étoile de couleur ici, je le sais. On me la fait pas à moi. Ça sent la peinture bleue à plein pot par ici. Chaque grande fleur bleue est en pose de ma possession. Il n'est pas question que je vous la donne comme ça, gratos. Si vous voulez vraiment, il va falloir venir à bout de ma suprême création et celle de mon super méga croiseur. Approchez. Et le combat commence à devenir l'insupportable, l'insurpassable, l'insupportable, l'insurmontable. Non, oui, le dernier. L'impuissance du méga croiseur. Hé, j'ai ma baguette magique, Magical Girl. Bon alors, comment on attaque un super méga croiseur? Donc c'est ça qu'il faut il attaquer fait la avec. Roulette les... de combat. Ok. Il va te le dire. Tu vois, il y a des queues. Oui, non mais. Et le ventilateur, toujours le ventilateur. Voilà, je prends le ventilateur pour te faire plaisir. Bon bah, comme on débute le combat, je vais peut-être faire qu'un tour pour voir si c'est vraiment ça. En plus, je sais même pas l'utiliser. Mais c'est pour apprendre. Le pouvoir de Mario Tanuki. Action feu! Oh, ils vont jeter des trucs dessus, il faut peut-être que t'appuies sur A. Oh oui. Oh, une riposte, tiens donc! Mais tu tiens la forme, dis donc! Prépare des unités tactiques auxiliaires carbares à l'armée! Pour ceux qui ne comprennent pas, paraître pas en formation, je m'énerve! Reçois votre maléficience! Oh, mais c'est des oiseaux! Deuxième division de paratroupes par rapport, chef! Nous sommes tous en position et prêts à attaquer l'intrus, chef! Oh, mais je reste en tanuki! Oui, tant que tu te fais pas toucher. C'est trop mignon! Bon, bah, du coup, un coup pas. J'ai pas deux sauts, hein. J'ai deux sauts de fer. Ouais, lui, tu peux, oui. Mais je crois qu'ils vont juste tomber par terre, du coup c'est pas bon. Ah, peut-être que tu les tues maintenant, parce que t'es fort, tu vois, très courageux. C'est Mario. Ouais. Non mais t'inquiète, tu vas le remettre après. Oh tu vois, tu l'as tué. C'est vraiment le dernier coup, alors il faut vraiment que tu les rates pas. Bon. Alors. Il faut vraiment que tu les tues du coup. Oui. Bon, j'espère que ça va aller. Ouais, par contre, Maxiso. Maxiso, c'est bien. Mais pourquoi? Je comprends pas. Tu le fais trop tôt. Je le fais si tôt que ça, pourtant ça m'a l'air d'être parfait. Moi j'étais sûre que c'était parfait. Bon, on va quand même faire une roulette de combat. Mince. Ah mais il est mort? Mais ils sont tout le temps morts. Bah non, ils gagnent pas des pièces.
Du coup, je comprends pas. Bon, je vais appuyer encore plus tard, parce que là, je perds du temps. Non ! Ah, mon super méga croiseur est mal en point. C'est la dernière fois que tu le touches, Mario. Crois pas que je te laisserai faire. Viens te canonner au boulot et plus vite que ça. Oh non, pas eux. C'est quoi ton code de Dieu paré au déploiement ? Et du coup, là, tu dois attendre. Oui, je sais pas comment je les touche. Alors, tu peux lancer ta boulette de combat et faire je ne sais quoi en attendant, du coup. J'ai bien envie de leur jeter des boules de feu pour rigoler, mais bon. Non, tu veux leur jeter un navet dessus. Si t'arrives à voir le spécimen de navet. Tu veux que je leur jette un navet dessus? De toute façon, j'ai que ça à faire. Mario et le navet. La et puissance c'est du... C'est moi où le bateau il est parti. Ah oui, il est et pas du là, coup, mais... je fais tu fais un spécimen navet. De navet pour rien. Et c'est vraiment un navet, hein, ce combat. Fabuleux. Pas mal, pas mal. Bravo, bravo. Je... Ah, crois-tu qu'une minable attaque comme ça ne va pas égratigner mon super méga croiseur? Attention. Ah, il est mort. Trop nul. Ah, il est mort. Trop nul. Il m'a bien eu. J'espère qu'il va pas renvoyer des paratroopas. Non, ça va. Ça a l'air d'aller. Allez, je mange un petit champignon au cas où, mais normalement, je vois pas pourquoi. Ludwig serait si terrible. Mais comme c'est mon pire ennemi, il faut tu bien que... Tu sous-estimes Ludwig. Non, là. Justement, c'est pour ça. Ah, mon beau navire est en train de sombrer. Oh, il s'est jeté dans la mer. Tu penses que j'ai gagné? Non, Ludwig sait nager. Il a un sous-marin maintenant. Mais c'est un papier, comment il fait? Mais il est dans son sous-marin. Oh, c'est trop mignon. Tout se passe comme prévu, le super méga croiseur a été conçu uniquement pour tromper l'ennemi, c'est-à-dire toi. Trempe devant le fleuron de ma flotte, le super méga sous-marin. Vas-y, essaie de voir l'attaquer, t'es backup, hein. Bon, je suppose qu'effectivement, là, je suis bloqué, c'est ça. Mais du coup, tu... Ah si, j'allais dire, du coup, tu vas pas utiliser ton champignon ici. Si, si. Bon alors, on me propose un spécimen de théière ou une boule de feu. Ah, c'est la boule de feu qui l'emporte. Oui, mais là, tu le touches pas. Je pense pas, je pense que ça va me faire comme tout à l'heure, la zone. Mais peu importe, en fait. Si, là, ça vise le super méga sous-marin, en fait. Je vais lui jeter mon spécimen de ventilateur dessus, c'est ça. Toujours le ventilateur, et là, bah, il va aller sous l'eau, c'est ça. Le ventilateur, il faut pas l'utiliser. J'espère que t'es content de toi, Ludwig. C'est inutile, futile. Tu peux pas attaquer mon sous-marin tant qu'il est sous l'eau. Mais je voulais vider l'eau. Évitons les flottements, ils restent gonflés à bloc. Mario, goûte donc à ma prochaine attaque. Oh, je vois. Tu veux la jouer comme ça? Bon. Qu'est-ce qui empêche d'aller sous l'eau? Dans mes spécimens. Le citron. L'appareil photo, la bassine. Non, bah non, justement, la bassine, c'est pas bon. Et le décapsuleur, tu vois, ça a l'air rigolo, tu vois. Je décapsule le haut et Ludwig y sort, mais il va rentrer trop tôt. Je vais l'envoyer décoller dans le ciel. Tu veux que je l'envoie décoller dans le ciel à coup de ballon? Attends, la roulette de combat. Ouais. D'accord, alors, roulette de combat. La roulette de combat, elle me propose encore le navet. Ouais, c'était le navet qu'il fallait utiliser, pardon. Bon, j'espère que le ballon va fonctionner. Hein. Qu'il rentre pas avant que Birdo vienne chanter. Mais non, ça marche pas. J'ai aucune carte qui fonctionne, en fait. Ah, ah. Super méga sous-marin immersion. Hein, immersion, j'ai dit immersion. On va plonger, oui, au-dessus. D'accord. Et maintenant que j'ai ramené un super méga sous-marin ici... Maintenant, tu fais ce que tu veux. Tu penses que je peux faire ce que je veux?
Non, tu fais une roulette de combat avant. Oui, d'accord, je fais une roulette de combat d'abord. Pour voir quel objet t'es censé utiliser. Le navet. Et ben voilà. Ah, n'empêche que ça a l'air rigolo comme carte, ça. Mm-hmm. J'ai peur de rater, mais j'ai envie de les utiliser pour rigoler. J'espère que ça marche. Quand même. Je vais les renvoyer dans l'eau. Wow. J'ai bien cassé le sous-marin, là. Il va exploser. Wouah, Ludwig, il a perdu plein de points de vie. T'as déglingué mon super méga sous-marin, comment tu oses? Comment oses-tu? Eh ben, j'ai osé. Ah non, j'ai oublié la roulette de combat, pardon. Ah, ça y est, il me propose le décapsuleur, tu vois, je le savais. Tu vas essayer de l'avoir, alors, j'espère. Oh, bien joué. Allez, merci. Je vais décapsuler Ludwig. Et est-ce que je prends une autre carte? Au cas où, je suppose. Je compte lui sauter dessus. Bien. Oh, ça lui a fait mal. Oh, il a pas aimé, en effet. Le pauvre. Regarde, il va se faire shooter dedans par un gros pied. Pauvre Ludwig. A-t-il vraiment mérité ça? Oui. Toute la haine qu'il m'a fait. Enfin, c'est pour tout. Pour tout ce qu'il m'a fait. Mario, je pouvais pas laisser mon pire ennemi gagner. Mondialement célèbre Super Mario, je voudrais pas affronter une serait-ce qu'une seule fois. Mais pourquoi je t'attire ici avec le grand étoile bleue? Mais on dirait que je t'avais sous-estimé j'admets ma défaite. Je suis quand même content d'avoir pu l'affronter. Il me reste plus qu'à souhaiter que le maître Bowser te batte. Au revoir. Ah, donc chronologiquement c'est la première apparition de Ludwig et Mario. Dans Paper Mario. Attendez, on se rend. On a bien compris la leçon, on s'est vraiment comporté comme des vilains méchants pas mous. J'espère que c'est l'autre moitié du... Ah non, d'accord. Nous sommes désolés. Est-ce que tu penses qu'ils sont français? Oui. Bah oui, ils ont un drapeau blanc, forcément. Est-ce qu'il faut peindre le drapeau blanc? Ah. On n'a rien à faire de vos excuses, envoyez à la grande étoile de couleur que ça saute. Mario, c'est la troisième étoile de couleur, la grande étoile bleue. Saute dessus et réveille-la. Attends, moi je veux voir. Est-ce que j'ai bien toutes les tâches? Non. Et tu vas voir que peinturé, on va pas être content si t'essaies de t'emmêler. Ah non, ça va. Je vais sauvegarder au cas où je meurs et que je dois rebattre Ludwig. Mais ça n'arrivera pas. Bon, où est-ce que j'ai oublié des tâches par contre? Ah là, j'ai trouvé une barrière. Oh. Maintenant, est-ce que c'était la dernière? Parce que 5% quand même pour ça? Non, il me reste encore quelque chose. Mais ça, en fait, c'est blanc, je pense. C'est fourbe. Sur le coup, j'avais pas l'impression que c'était pas peint. Bon, normalement, je suppose que c'est bon. Oui. On va pouvoir aller chercher notre fabuleuse étoile bleue. Ah, Peinturion, tu vas être content, je vais pouvoir récupérer ton étoile bleue. Waouh, fantastique, Mario, bravo! Tu vas pouvoir peindre la mer et prendre le large. Wow. Tu penses que ça va peindre toute la mer? Eh oui. Elle est trop forte, étoile bleue. Là, t'as vu comment elle fait un détour juste pour y aller là? Oh, je vais peindre la mer. Ensuite, il va falloir mettre un ventilateur. Oh, regarde, t'as vu un comment toit c'est à beau? La mer. Capitaine! Remontez! Ah, oh, zut, on n'a pas de nouveaux panneaux. Dommage. La grande étoile bleue a retrouvé sa place sur la fontaine de Port-Barbouille. Merci, je suis la grande étoile bleue. Voici ce dont je me souviens. Parce que je sais qu'il faut qu'on partage nos souvenirs. Elle est gentille. Elle est pressée aussi. Et elle sait aussi que ses souvenirs sont antérieurs à celles de l'étoile d'avant. Regardez, là, ils ont volé toute la peinture. Pourtant, incroyable. L'étoile rouge et l'étoile jaune, elles sont là. Oui, non, mais elles ont eu un trou de mémoire.
Ça arrive des fois. Ah, c'est le traumatisme. Ouais, on peut dire ça comme ça. Purée, mais ça doit être pénible, vous allez chercher des trucs et vous devez y retourner après. Purée. Et Bowser, il est pas très sympa, franchement, d'avoir mis ça ici, je veux dire, je sais pas, il aurait pu le mettre dans un endroit un peu plus pratique, tu vois, ils doivent tout remonter, faire le tour, jeter le machin, et ensuite revenir, ou alors ils s'arrêtent là parce qu'ils en ont marre. Bon, c'est bon, la journée de travail finie, on en a marre. Comment ? L'armée de Bowser a volé des hectolitres de peinture à l'aide de plusieurs bateaux volants. Celui qui s'est écrasé sur la tour cramoisie n'était que l'un d'entre eux. Mais comment ont-ils bien pu prélever autant de peinture ? Pourtant, pour le découvrir, il nous faudra sûrement retrouver la prochaine grande étoile de couleur. Tiens, avant de passer à la suite, c'est le bon retour de la grande étoile bleue. Tout le monde danse ! Alors, c'était qui les acteurs principaux de cette aventure ? Il va voir les, il va voir quoi les fantômes. Les, oui, voilà, les fantômes, j'allais dire, l'hôtel. Est-ce qu'il, va voir l'oiseau ? J'espère qu'il y aura l'oiseau. Mais il est pas là, l'oiseau rouge, c'est trop triste. Ils ont. Ils vont exploser les fantômes. Ils ont oublié non. L'oiseau rouge et la même chose. Pas Birdo. Alors que c'était aussi quand même grâce à elle qu'on a battu Ludwig. Plus de points de vie pour Mario. Eh bien bravo. Ah oui d'accord, il faut qu'on fasse tous les découpages. Là celui, je crois que c'est battre tous les 10 images. Et voilà. Ah, d'accord, c'est pour ça qu'en fait, il faut acheter des cartes. C'est même pas parce que t'as besoin de cartes, c'est pour ce truc. Ah, ça y est, j'ai gagné des trucs ici, ou il me parle juste comme ça pour rigoler. Oui, non, ça veut dire que t'as gagné des trucs ici. Qu'est-ce que j'ai gagné? Ah, c'est beau la tour cramoisie, comme ça. Ah, les Toads. Ah, tu vois, ils ont essayé de leur trouver des designs intéressants. Ah, il y avait même le capitaine Toad. Ah, le rêve. Je suppose. À la base, il voulait pas écrire le mot qui. À la base, il voulait un tas de diable, un tas de clé et un tas de Pikmin. Ah, le magma burger, parfait. Tu vois, il y a même eu des concept art du magma burger, si ça c'est pas beau. Mais si. Et du coup, j'ai pas sauvé tous les Toads bleus. Ah, il y a le mini Toad. Excusez-moi, monsieur, j'ai mon porté volontaire pour intégrer les clés de sauvetage chevalier Marie, s'il vous plaît. Désolé, petit sauveteur, ce n'est pas un travail pour les demi-portions. Maintenant, rentre à la maison et mange ta soupe. On en reparlera quand tu auras doublé de taille. Pourquoi il s'est accroché au mur ?